Alors j'invite petits et grands à se donner rendez-vous sur l'espace des cloîtres, en plein cœur de notre ville, samedi à partir de 15h. Donc eh bien c'est la journée Carnabalade à Bressuire et donc nous avons un programme qui a été concocté par le service événementiel avec des jeux, des ateliers maquillage, donc dès 15h. Et puis il y aura deux représentations gratuites, donc ouvertes à tous, dans les jardins intérieurs des cloîtres pour les enfants où ils pourront jouer avec les mots. C'est donc le spectacle Boîte à lettres. Et il y aura donc, je le redis quand même, deux représentations, une à 15h30 et l'autre à 16h45. Et puis, bien sûr, à partir de 18h, le départ de notre grand défilé participatif avec des compagnies, bien évidemment. Nous aurons deux batucadas et puis nous aurons un oiseau gigantesque qui viendra donc accompagner ce défilé, où nous avons donc des partenaires qui nous suivent depuis très longtemps et qui ont cette année redoublé d'efforts. Donc le centre socio-culturel, bien sûr, et le lycée Saint-Joseph, qui nous a concocté encore des magnifiques costumes, mais également avec la section menuiserie, où là, ils ont participé à la confection des chars. Donc, bien sûr, venez nombreux, suivez le défilé qui partira donc aux alentours de 18h. Et puis, brûlons, Monsieur Carnaval à la fin de la soirée. Pour terminer, je voudrais quand même dire que le Carnabalade est aussi dans le cadre de l'année des langages. C'est pour ça que vous retrouverez effectivement la compagnie Boîte à lettres. Dans l'après-midi. Alors venez jouer, venez défiler, venez profiter de ce beau week-end.